Mercredi avait lieu le match de la 7e journée de Ligue 1 AS Monaco SCB. Pour l'occasion, l'association des supporters de Bastia 1905 avait décidé d'organiser un déplacement exceptionnel. Avec l'aide de la Corsica Ferry et du club, ce sont 505 Tourquignes qui ont pu embarquer à destination de Monaco. Ils avaient rendez-vous à 9h au port de Bastia pour plus de 6h de traversée, dans une ambiance très particulière puisqu'ils ont transformé le bateau en un véritable chaudron. Durant la traversée, les occupations étaient nombreuses. Certains chantent, jouent ou boivent. Une fois arrivés à bon port, ils ont été accueillis par les carabiniers qui ont permis, grâce à leur efficacité, de rejoindre la frontière en un temps record. Contrairement aux homologues français qui ont tout fait pour ralentir les supporters, résultat des courses, certains ont loupé le début du match, mais cela n'a pas gâché l'ambiance. Ils ont pu rejoindre les 500 autres supporters qui étaient venus de la France entière pour soutenir le Sporting Club de Bastia. Défaut d'avoir pu assister au début du match, ils continueront à supporter leur équipe pendant plus de 40 minutes après le match. Malgré la défaite, ils ont su montrer à la France entière que ce n'est pas le foot business qui remplit les stades. Car ils étaient plus de 1023 un mercredi soir.